trouvé un fond de Porto dans le meuble du salon. Par contre, pour ce soir, il y a du pinard plein la cave. Il se préparait une bonne retraite, le salaud. Il y a longtemps que tu ne l'avais pas vu. 15 jours. On a joué au golf à Trouville. Il pétait la forme. Il disait, si je crève, je veux que tout le monde rigole. Ceux qui restent sont pas là pour se faire chier. Comme s'il sentait qu'il allait partir. Et hop, il claque d'une crise cardiaque. Ah oui, c'est con. On aurait pu faire un bowling ce soir à 4. Ça faisait le nombre pair. En tout cas, il serait content de savoir qu'on est tous là. Et qu'on lui vide sa cave. C'est vrai. C'est important les copains dans ce genre de galère. Surtout quand on n'a pas de famille. Si moi je venais à mourir, ça me ferait super plaisir que tu te déplaces. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait pour le cercueil? Il y a le type à la porte. Il faut cocher des options. Ça va de 1500 à 8500 euros. Incroyable. Bah, tu négocies pour que tout le monde s'y retrouve. Attends, c'est un cercueil, pas une cuisinière. Le gars, je le connais pas. Je lui avais jamais parlé. Le premier truc qu'il trouve, c'est de me faire 40% sur le velours en tant que futur client. Si tu veux, je m'en occupe. Hein. J'ai incinéré mon labrador il y a 2 semaines. Bon, je dis quoi? Tu fais comme pour toi. Alors, pas de clim, intérieur cuir. Il aurait une maison. Ouais. Bon, pour la cérémonie, on fait quoi? T'inquiète, il n'était pas croyant. Alors pourquoi il allait à l'église tous les dimanches matins? Pour participer à la vie de la commune. C'est comme ça qu'il a eu son permis de construire pour la piscine. Bon, on s'en fout. Toi, Marc, tu appelles le curé, tu lui fais dire 2-3 prières, un témoignage, Saint-Paul, Saint-Mathieu, Saint-Maclou. Saint-Étienne. Allez, allez, les verts. Moyennement drôle, quand même. Hein. En tout cas, il faut meubler parce qu'au cimetière, tout le monde va se faire chier à mourir. La musique, vous avez pensé à la musique? Vous n'avez pas quelqu'un qui joue de l'orgue hein? Moi, j'ai un disque des Bee Gees dans la voiture. On lance un appel d'espoir. Staying alive. Staying alive. Ouais, staying alive. Ouais, et en clôture, comme il voulait se faire incinérer, un petit Johnny, allumez le feu. Ouais. Bon, allez, soyons sérieux, là. Il faut réciter un poème. On n'a pas un petit neveu, une vieille tante, une cousine avec un bouquet de fleurs pour faire chialer tout le monde. La seule vieille tante que je connaisse ici, c'est toi. Oh, c'est petit de dire. Parce que moi, bande d'hétéros, je vais pas vous emmerder avec mes histoires de bonnes femmes et puis de garde d'enfants. Hein. Alors peut-être que je me fais enfiler, mais je fais chier personne. Bon, vous allez pas remettre ça sur le tapis, non? Didier, chacun s'occupe de son cul. Et par respect pour Sylvain, qui était aussi votre ami à tous les deux, vous allez vous faire la bise. On va plutôt crever. Hein. On en a déjà un qui est raide. On s'est pas retrouvé ici pour tous finir à la fosse commune. Alors, serrez-vous la main, au moins. Tu boudes. Allez. Bien que je t'embrasse. Bon, et on fait quoi là? Et pour l'instant, on boit un coup. Et le type à la porte? On l'invite à l'apéro, hein? On est des gens civilisés, non?